entendu parler en fait du Tekken Fest, qui est un gros événement justement autour de la technologie, et le fait de pouvoir rassembler un événement comme ça dans la région, pour nous c'était incontournable de pouvoir y participer et venir présenter notre technologie ici, qui va en plus être mise sur le marché dans quelques mois. Donc voilà, c'était vraiment la bonne occasion, et pour, en plus pour rencontrer d'autres partenaires de la région aussi. C'est juste géant. Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'innovations aussi, beaucoup de jeunes startups qui grandissent. Et du coup, voilà, on espère faire la deuxième. C'est un salon sur lequel on est là pour faire le show et faire de la rencontre et développer du réseau. C'est important de pouvoir justement exposer de manière globale la puissance tech qu'on peut développer en région, mais aussi globalement d'un point de vue national. On est très heureux de faire partie de cette mouvance. On est venu ici pour parler un peu de ce qu'on fait et surtout se focaliser sur les différentes industries et les problématiques qui en surviennent. Le fait de pouvoir faire connaître Green Tech au grand public. Justement, la diversité des personnes qui sont présentes ici. On trouve beaucoup de personnes de divers horizons qui viennent nous voir, aussi des chercheurs. On a vu des personnes du CEA, cette diversité de métiers. Cette première édition de Tekken Fest est intéressante parce que on y rencontre finalement tous les acteurs de la région autour de l'innovation au sens large, et donc c'est ça qui est séduisant, intéressant, et puis ça permet d'aller booster les acteurs, se connecter. Donc voilà, c'est précieux d'avoir ce salon. C'est quand même un petit CES à la mode Auvergne-Rhône-Alpes, donc voilà, où on retrouve pas mal déjà d'entreprises Auvergne-Rhône-Alpes qu'on a pu voir sur le CES. Puis faut espérer que ça apporte quelque chose.